Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Shaolin Shuffle. Donc c'est un glitch très facile à réaliser qui va vous permettre de faire des manches en illimité. C'est pas trop... ça peut se faire, ça peut se faire. Mais après faudrait mettre quelqu'un en bas qui tourne, ce serait beaucoup plus rapide. Parce qu'en fait là les zombies ne vont pas vont pas se tasser devant vous, donc ils vont juste courir devant vous. Donc voilà, c'est un petit glitch easy à faire, tranquille. Il vous faudra juste la grue. Il vous faut le cheat grue. Pas en illimité, moi je l'ai en illimité, mais il n'y a pas besoin de l'avoir en illimité. Donc si vous voulez l'avoir en illimité, je le mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Sinon, avec le cheat principal sans le glitcher, ça fonctionne aussi. Et c'est super facile à faire, donc voilà. Alors, où se passe ce glitch? Il se passe ici, à la salle disco. Par contre, il y a cette porte là, donc enfin ces quatre portes là, il va pas falloir les ouvrir. Si vous ouvrez une de, enfin il faut pas ouvrir ces portes là, sinon ça ne fonctionnera plus, parce que le glitch est tout simplement de se mettre sur ces barrières là. Et ce qui est bien, c'est que regardez, ça n'empêche rien à la partie, car il y a un autre escalier par ici, donc voilà, ça ne bloque en rien la partie. Vous pouvez faire ce glitch tranquillement sans devoir, enfin voilà, vous serez pas bloqué parce que vous ne pouvez pas ouvrir la porte, non, vous ne serez pas bloqué. Donc voilà, alors c'est très simple, hein. Vous allez, on va descendre, donc là j'ai plein de zombies, donc j'ai fait un petit tour pour pas me faire bloquer. Alors voilà, vous vous mettez en bas ici où je suis, et vous vous mettez ici genre, et vous faites votre truc spécial. Vous ne touchez à aucune, vous ne touchez pas à l'analogue, et regardez, je me retrouve sur le bas, et là je me retrouve sur la barrière tout simplement. Alors, on peut aller sur la barrière en face, hein. On peut aussi aller derrière la barrière. Regardez, les zombies là ne bougent même plus. Pour revenir, il faut pas sauter, il faut monter comme ça sur le mur. Voilà, vous voyez, et ça monte tout seul. Donc là, les zombies en fait, quand vous êtes derrière la barrière, ils meurent et ils respawnent. Et quand vous êtes sur la barrière, bah, ils se mettent tous là et ils commencent à courir un peu dans tous les sens. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, manche illimitée, ça va quand même être chaud. Parce que voilà, les zombies sont un peu. Un peu dans la merde, hein, on va dire ça comme ça. C'est un peu la merde parce qu'il court un peu partout, donc voilà. Par contre, vous pouvez vous mettre à 4, hein, vous pouvez faire ça aussi. Hop, vous visez le baf, vous ne touchez à rien dans l'analogue. Là, j'ai raté, on recommence. Donc là encore, j'ai raté, on va réessayer. Bon, bah attendez, je suis mort. Donc voilà, j'y retourne et là, je vais le faire sur l'autre barrière, comme ça, vous verrez que ça fonctionne avec les deux barrières. Ou même, hein, vous le faites avec une et vous avez vu, on peut sauter de barrière en barrière, donc voilà, c'est assez. Assez tranquille, c'est bien aussi. Si jamais vous voulez mettre pause ou quoi, ben ça peut servir aussi, hein. Voilà, vous ne touchez à rien, vous ne touchez pas à l'analogue, sinon vous allez tomber derrière. Et là, vous pouvez toucher à l'analogue et vous voyager, hein. Donc, ici, je pense qu'on peut rien faire, hein. On peut rien faire de plus, je pense. Faudrait tester. Non, ici ça bloque. Donc voilà, j'espère que ce glitch vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si vous avez un autre glitch à présenter ou quelque chose à dire à propos de ce glitch. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao ciao, peace.